Yamokola lelo bandi magazine abino vos préférences solo la plus vous êtes tellement ébélé yakozela yango merci pour la confiance en paix fidélité motelami 79e session y assemblée générale y a Nations Unies sengeli boye bake mokondi amboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amataki na tribune pour na koyokisa mongongo y a République démocratique du Congo bolanda extrait n'élément La République démocratique du Congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en Afrique et appeler à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances. En effet, l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent. Ainsi que relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Cela comprend la formation de partenariats viables autour du projet hydroélectrique du Grand Tinga qui vise à répondre à la demande énergétique croissante de notre continent, exacerbée par la prolifération des objets connectés. De plus, il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques, indispensables aux équipements technologiques, afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Par ailleurs, la pleine participation et l'engagement des jeunes, tant des filles que des garçons, sont également primordiaux pour bâtir une société durable et inclusive. Ce principe constitue le fondement de la déclaration sur les générations futures, soulignant notre responsabilité envers les générations à venir et l'importance des décisions qui garantissent leur épanouissement. Pour l'Afrique, sa jeunesse représente un atout majeur pour sa prospérité future. Investir dans l'éducation, notamment dans les domaines STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et créer des environnements propices à l'innovation est crucial. Il est essentiel de remédier à la déconnexion entre une population jeune en forte croissance et le marché de l'emploi en fournissant les compétences nécessaires à leur intégration. Monsieur le Président, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent, avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix
tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. La République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de garantir une paix durable. Sous mon impulsion, nous sommes résolus à poursuivre la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, clé de notre stratégie nationale pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables. Bien avant, Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki part na cérémonie ya ouverture ya 79e session ya Assemblée générale ya Nations Unies. Retour en image. 79e session ya Assemblée générale ya Nations Unies et Fungwamaki Lobby Eleki na New York, en États-Unis d'Amérique. Pendant 5 jours, soit du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants ya monde entier, bako défilé liboso ya tribune po na ko présenter ba priorité na bango pe ko échanger sur ba défis mondiaux afin ya ko faire progresser kimia sécurité pe développement durable. Na année oyo 2024, ba échange et comporter sur thème oyo ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable, la dignité humaine y a ba génération présente paix future. Question y a ba inégalité na monde paix y a réforme y a conseil y a sécurité y a Nations Unies et kozala na centre y a ba débat général. Tangu Azwaki Maloba, secrétaire général y a Nations Unies, Antonio Guterres, Atalisaki Boye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et il... Na occasion ya rendez-vous international majeur Oyonfumu Yekolo, République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kozwa parole na tribune Oyo Isika Wapi a kotalisa mongongo ya République démocratique du Congo pour na ko réaffirmer engagement na ye en faveur ya multilatéralisme moko fort paix efficace, sans oublier que ma priorité, la République démocratique du Congo, l'Assemblée générale Oyo Ezali, respect et intégrité territoriale naye face à l'agression ya Rwanda. Bakisa lisusuke mokonzi yamboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a kozangisate kosenga ba sanction contre Rwanda, ya Paul Kagame pour l'agression, pe pillage ya ba ressources naturelles, ya République démocratique du Congo, et kozala pe lisusu occasion pour na Fatshi Béton a sollicité appui ya ba état misusu pour na poste ya membre permanent ya Conseil de sécurité en plein pouvoir. Yenke yo! Bolukaka mokonzi ya mboka amemela bino ba investisseur Bill Gates yeyo alingi koya na République démocratique du Congo lobi eleki ya kutanaki na mukwantombolo Fatshi Béton, chef de l'État ya République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na New York, États-Unis d'Amérique. Azali compté parmi ba plus grande fortune ya monde, monsieur Bill Gates, milliardaire américain, président ya fondation Bill Gates, bazali très impliqué na ba action humanitaire na titre oyo nde a sollicité ki kokutana na New York na mfumu ya ekolo République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton
pour nakosa la évaluation ya action humanitaire en faveur ya bana Congo. Mais d'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la Fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas. Et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore, vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la Fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout-petits-enfants et voir un peu comment aussi aider dans un POX actuellement, parce que un POX, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink, donc il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Et Sengeli Boeba été Bill Gates a zoki sous son engagement pour na quoi appuyer secteur et agriculture na République démocratique du Congo mboka oyo azali ko konté ko visiter na début yane 2025. Hey, yo. Gouvernement ya République démocratique du Congo azali ko s'activer pour na quoi améliorer ba condition carcérale na ba tribunaux pour enfants. Reportage. À l'issue, il y a des échanges na bango na première ministre Judith Soumi Moi Touluka pe premier président ya cour ya cassation sur ba question o yetali amélioration ya ba condition ya ba milliers carcéraux ya bana awa na ville province ya Kinshasa. Ministre ya ba droits humains a affirmé que ba solution e kozwama po na prise en charge respectable ya bana. Les gouvernements prévoient de rétablir les enfants dans leurs conditions normales, c'est-à-dire on va relocaliser temporairement les milliers carcérales, hein, là où se trouvent les enfants, on va les mettre dans de bonnes conditions, on va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout. Donc, il y aura une prise en charge respectable. Na part na ye, premier président ya cour ya cassation, a beta ki sete na oyu etali, ba condition ya kitoko po na ba détention ya bana. Après une tournée que nous avons effectuée dans les 5 juridictions pour les enfants, nous avons constaté que les enfants en conflit avec la loi, depuis le temps qu'ils ne peuvent pas être gardés à Makala, ils sont placés dans des conditions difficiles, infrahumaines, dans les amigos, dans les containers. Et c'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec Madame la ministre des Droits humains rencontrer Excellence Madame la Première ministre pour échanger avec elle sur une solution urgente qu'il faut porter à cette question. Comment trouver un endroit où loger ces enfants qui sont en difficulté déjà avec la loi pour les encadrer et voir comment ne pas dupliquer la délinquance, parce que si on met ces enfants en contact avec les adultes délinquants dans les maisons d'arrêt, ces enfants
sont contaminés. Et Sengeli konote ke nangambu na ye gouvernement azali kobongisa même situation na niveau ya ba province na ba prochain jour. Question ya rénovation ya ba infrastructure oyo ezali penza ke préoccupé makasi gouvernement. Eke yo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est coabrité du 28 au 30 novembre, 5e édition, il y a Forum international des femmes FIF 2024, Fiston Perrot, pour nos détails. Ah oui, sous le patronage, il y a professeur Nicole Ntoumba Boatia, directeur de cabinet adjoint, il y a chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Beton, en charge, il y a ma question politique, juridique et diplomatique, JK Corporation, bazali organisé du 28 au 30 novembre 2024, na Pullman Hotel, 5e édition, il y a Forum international des femmes, FIF 2024, en sigle, annonce Noyango, et Salamaki, lobby et l'équipe, soit Mokoulé à mardi 24 septembre, à travers conférence de presse monnaie tenue na organisateur na immeuble Empire na commune ya Gombe na présence ya représentante ya marraine ya 5e édition représentante ya ministre ya numérique ba différentes personnalités ba professionnels ya médias pe ba invité ya ndenge na ndenge Tangu Azwaki Maloba, général manager ya JK Corporation, madame Gisèle Katal Atalisaki ba objectif poursuivi, pe thème ya 5e édition ya FIF Oyezali Bongo, les femmes et l'intelligence artificielle pour plus de performance. Juste après, Elandamaki na série ya jeu ya ba questions et réponses. Oyo Zalaki nourri na intervention ya ndenge na ndenge na part ya ba organisateur pe ya représentante ya ministre ya numérique na combo ya madame Nicole Ntoumba Boatia directeur de cabinet adjoint ya chef de l'État en charge ya ba question politique juridique pe diplomatique marraine ya 5e édition ya FIF communication et Salamaki Boye. Cette initiative est très très louable. Parce que souvent on se dit, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a le niveau, mais il faut en parler, il faut vulgariser, il faut que les femmes comprennent l'importance du numérique dans notre quotidien, où est-ce que ça peut nous propulser. Je veux même donner un exemple, le numérique peut même nous aider à cacher nos faiblesses. Je parle en connaissance de cause. Il y a des personnes handicapées aujourd'hui qui, à cause du numérique, on ne sait pas savoir si elle est aveugle, si elle est sourde, elle est muette, parce qu'il y a l'outil du numérique qui nous aide à dépasser nos limites. Évidemment, toujours sous le contrôle de l'être humain. L'enthousiasme et la passion que le comité organisateur y met, ce sera vraiment un succès. Venez et vous ne serez pas déçus. Merci. Nasuka Yamasolo, général manager ya JK Corporation à Communicaki Boye. Biso tozali lelo ko pesa mbelo na baninga na biso basi bandeko na biso basi po ete baya na milulu oyo JK Corporation ezali ko organiser du 28 au 30 novembre 2024 bengi yango la 5e édition ya forum international des femmes oyo ezali forum moko ya monene esangisaka basi o bautaka na bamboka ya Afrika, bamboka ya Europa, bako uta na bisika nyoso po ete ba ya awa, na mboka na biso po ete ba ya koyoka, oyo nini biso tozali kolobela bango. Yango naza kosenga, naza kobele la mbelo na ngai na ba mama ya Congo. Oza la femme leader, oza la femme politique, oza la femme ya ndako, femme ménagère, oza la na religion, oza la na société civile, milulu oyo efongami pona moto nyoso, ba personne vivant avec handicap, ba maman na ngai naza kosenga na oyo nyoso akokoya na message oyo du 28 au 29 novembre na deux jours ya forum na biso na Pullman tozali kozela bino maboko na biso ezali polele pona koyamba bino mbote na bino nyoso. Ah oui, boyende ezalaka rendez-vous du 28 au 30 novembre na Pullman Hotel. JK Corporation, l'œil de l'avenir. Eke yo. Inspection générale ya finance ezali ko bénéficier na confiance ya peuple congolais en général. Ba témoignaki na micro ya Solo la plus.
Ah oui, en dépit, il y a des menaces, il y a des ordres, il y a des tentatives de corruption, il y a des personnels, il y a des campagnes de diabolisation, il y a des ciblés, inspecteur général, chef de service, M. Gilles Alinguet-Tekei, M. l'alligator, inspection générale, il y a finance, et Tikali, locomotive, il y a bonne gouvernance, il y a des restaurer à la fois. Image de la République démocratique du Congo, santé, il y a une entreprise publique, paix, crédibilité internationale, Ndenge Lingi Mokonzi ya Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshi Béton, Yokelanga et Loko Oyo. Dans tout circuit, ce qui bozangi contrôle, circuit a des anatinates. En d'autres termes, il y a une évaluation. Il y a une évaluation, non pas seulement pour arrêter, mais aussi pour conseiller. Et donner des orientations. Mais, tant que l'Alinguet a bandit au Sala Moussala, le peuple a monaki à l'Alinguet n'est pas monté à Kokanga. L'inspecteur n'arrête pas directement. L'inspecteur appréhende, vérifie et contrôle. A Bengio, Koba, a Tala Awa, au Telemagi Biente, au Sala Boye Boye. Au cas où au Salite, ne akoya na mesure contraignante à Kangi. Mais biso peuple, to bandaki komona Alinguet, si on te dit Alinguet, c'est-à-dire l'arrestation, ça c'est du côté observation d'Angaï. Mais c'est un papa qui nous a fait quand même de fierté. Mais entre-temps, d'un côté, bazako, ko zwambongo ezo na kesi à l'État, de l'autre côté, bambongo est belé, et puis ça biso ba psychose. Attention, il y a Zo Luka 100 francs, mais quelqu'un qui vole l'argent des millions. Et subitement, tu as eu un peu de temps. Tu as mis sur la Alinguet, à sa Kimidaye, à Keinaï. Ça, c'est du côté négatif. Alinguet, il reste le ministère, banini banini. Il faut qu'il y ait des petits Alinguet. Donc, un peu de Alinguet équitative dans l'évaluation, il y a un marché, il y a un pitch. Il y a un péage et tout ça. Chef de l'État, coup de chapeau à la Moussiango. Ce qui est un sangani contre Alinguet, Alinguet n'est pour rien. Donc, Batouana Baza contre le chef de l'État. Avec plus de 36 ans de carrière, Gilles Alinguet-Tekei, Azali, inspecteur Moko Alenda, na Oyo Etali, gestion yaba finance publique. Cela y a Alinguet. A ça la tour que. La finance publique à l'État. Et c'est là qu'il a dit un rapport. Après la justice, a Kangi Batouana, va se retrouver quelque part pour que personne ne leçon, ne va pas se salater, pour que le peuple congolais comprenne que ah, vous savez la lingette, ça est ni, et mon aïe. Jeff a pris l'ampleur à partir de l'événement de l'inspecteur Gilles Alinguet. Auparavant, ça existait, mais c'était comme de la théorie. Mais la pratique, nous l'avons vécu avec l'avènement de l'inspecteur Gilles Alinguet. La récupération de 7 milliards avec les contrats chinois, ça fait quand même du bien au pays. C'est de l'argent qui volatilisait comme ça. On ne savait pas qui prenait ça. Mais avec l'avènement de l'IGF, on a pu récupérer ça. Ça fait du bien quand même au pays. J'ai pratiqué parce que comment faire au banque ça va toi, parce que tu vois, il va bon à l'état, comment faire au banque à partir de que. Tant que vous avez à côté de contrôler le monde, vous avez un peu de temps. Quand vous avez un peu de temps, vous avez souffrir. Donc, tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Donc, côté là, vous avez vraiment un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Par rapport à vos sensés, vous avez un peu de temps. 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 Parce que les voleurs n'ont pas de contrôle. Quand quelqu'un a quelque chose qu'on te donne de gérer, je ne veux pas qu'on vienne faire les contrôles, tu es voleur. Tala!
Moussala IGF Azali Kosala Lelo et Azali Koincarné, vision et inspecteur suprême, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Beton, pour la qualité contre l'impunité, corruption, coulage à la recette publique, enrichissement illicite, peba pratique Union Soyamabe, pour la Oyetali mauvaise gouvernance. Boyende et Zalaka, qui du mieux? Kejo! Oui! Azali parmi Bakuluna Oyo, ministre d'État, ministre en charge de la justice, Abimisaki, Lobeleki, na prison centrale Yamakala, kasi quelques heures après, Kobi Manaye, Azongeli, Lissou, Kuluna, Bakangi, et Tozali, Awana Kinkole, Bozova Détail. Monsieur, Makambo, Papa Azoubana, Eza Solo. En tout cas, Oyo Azali, Ndoki, Yavina, Yemoko, Mwana Mobali, Oyo Bozali, Komona, Namulili, Awa, Azali Kuluna. Dernier ranger Oyauti Kobima na prison centrale Yamakala, Kaka Lobi Eleki Awa parmi ba prisonniers, Oyo ministre d'État, ministre ya justice Aoutaki Kolibere, Kasi Tangwa Zongi Kaka na quartier Boye, na Koko Manaye, Azongeli Lissousu Machette, veut dire Azongeli Kuluna, même pas des jours, Bakangie Lissousu Tozali Awa, Nakinkole. Loba Ninge Zalagi. Mutu oyo azalaki victime yeyo abeti lisolo bolanda neti kaka bozalaki. Bon, ça, je suis là, je suis là. Puis, téléphone, je suis là, je suis là. Oh, libérez le téléphone. La minute, je suis là, 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 je Il y a un déjà un jour facilement. Il y a 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 Tangu pe ba pesa ki e maloba ye moko ya kuluna a komunika ki boye. Evana Olivier habito ke no yada mon transport ko da naku. Na ba na ah venga bimeka lobi. Habite to ke so ra li bana so ra na bomboki ya. O mon transport ke na bi pa bisuna mon ni ngade. Abo ke lobi na tongande a bizansi mama je dine do tambola na. Ozaye combien de personnes o bo opere na machete na poko alilo. Kade personnes. Yo nanani. Never Olivier. Il n'y a pas de prison lobby. Il y a lobby de prison. Mais quand il y a une prison pour l'année, il y a une infraction pour se retrouver en prison. Au combien de mois en prison? Une année, huit mois. Obimi lobby ministre Abimi Sibino na ba mezina e ya ba grâce lelo obimi sisu ozu machette po biso police baloba kitosa musalate lokwa to kangio bozonga suna prison sope ministre Abimi so lisusu to kokango lisusu pe bozonga na prison et la force otika la toujours na loi papa ministre ya justice papa Constant Mutamba Tala batu obimisi bango yo bazongeli lisusu komenase population. Papa ministre Yomoko olobaki nini? Kosa la erreur te bazongisa o lisusu awa toyokani. Oyo akozonga awa akozala immédiatement transféré. Akovanda lisusu na makala te toyokani. Olobi? Oyo akozonga awa akozala immédiatement transféré akovanda lisusu na makala te toyokani.
Tobo ite ko désengorger ba prison ezali malamu kasi esengeli kotala ba tu nini esengeli ko bimisa ba oyo penza esengelaki ko tinda bango nanu ata na service national pokuna bakozala vraiment utile. Tuzotale la, tuzozimeli. Bino ba kuluna ministre abimisi bino bosa mandete bozongeli suka kuluna bo biso police toza na musala okanga bino bitolemba bino te. Éliminatoire Cannes I-20 2025 esengeli oyeba ke ba Léopard ya République démocratique du Congo bakoyaki liboso ya ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lobi eleki na score étriqué ya un but à brosse. Commentaire. Ba Léopard Junior ya République démocratique du Congo bazalaki battu par ba Diable Rouge ya Congo.